C'est là nous tirer tellement, c'est là nous joindre ces textes ça même qui utilisé pour thème que nous choisissons, on réconcilier nous avant nous bail bon Dieu offrande nous. Alors à ce retour de sujet ça que nous gagner, moi opté pour me parler de une offrande agréable à Dieu implique la réconciliation horizontale et verticale. Une offrande agréable à Dieu implique la réconciliation horizontale et verticale. C'est thème ça, c'est la donne la bien pour nous faire parler ensemble avant pour nous dire une offrande qui fait bon Dieu plaisir, il y a la donne réconciliation horizontale et puis verticale. Dans Matthieu chapitre 20, dans Matthieu chapitre 5 le verset 24 là, nous normalement il a présenté nous texte sans présenter nous les nous gain une offrande leur bon bagage va porter en dedans temps bon Dieu va porter pour bon Dieu et pendant va porter sous ta songer un frère qui gain un bagage ensemble avec et bien vous devez déposer offrande nous et puis à côté frère avant que vous portez offrande. Et voilà nous dit offrande là libre et agréable. Problématique qui fait obligé de déposer offrande là pour aller réconcilier avec frère là, c'est parce que cœur déjà bien problématique, cœur déjà bien amertume, et bien puisque cœur bien amertume ou pas dans la joie pour bail bon Dieu offrande. Et si toutefois pas dans la joie, ou pour aller réconcilier avec zami qui ont été bien problème là avant. On nous essayer ouais ensemble, si nous dit une offrande agréable à Dieu implique la réconciliation horizontale et verticale. Maintenant, on faut regarder réconciliation horizontale. Qui ça réconciliation horizontale l'année? Qui ça réconciliation verticale l'année? N'a bien pour nous les 7 étapes dans la réconciliation et puis nous allons voir comment offrons-nous la privée agréable si toutefois vous observez le principe ça. Non. Réconciliation horizontale. Réconciliation horizontale, c'est ça nous voyons dans Matthieu 5, verset 24. C'est lui nous voyons là qui dit si ou bien yon bagay avec frère, ou moun ki bon koto, non, si ou bon problème avec voisin, non, si ou bon problème avec moun ki ap viv tout près, ou non, eh bien ou doué déposer au fond nous, si ou ta songe ça. Sous ta songe ça, pendant pour l'entrée, et bien déposer offrande nous, aller réconcilier ensemble avec lui avant. Là nous avons une réconciliation des mouns à moun. Ou bien si nous avons dit des mouns à moun, nous avons dit c'est une réconciliation de l'homme avec l'homme. C'est moi-même, c'est vous-même. Si toutefois que nous avons un problème ou qu'on est que nous avons un problème avec nous, non, eh bien c'est possibilité pour aller réconcilier ensemble avec nous avant que nous portions offrande nous. Dans Ephésiens chapitre 2, tout, le verset 16, il parle de réconciliation. Dans Ephésiens 2, le verset 16, bon, on commence depuis le verset 15. Non? Il dit, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en rétablissant la paix. Et les réconcilier avec Dieu l'un l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Texte a présenté nous réconciliation de l'homme avec l'homme, lui extrêmement important. Parce que souvent, fois que nous répétons dans l'église, nous formons un seul corps. Comment nous capables d'un corps et puis c'est pendant nous séparer? Comment nous capables d'un corps, c'est pendant nous diviser? Comment nous capables d'être dans le corps, nous capables d'attacher dans le corps là, pourtant il y a des amertumes, il y a des circonstances néfastes et bien qui a traversé. Et bien puisque Christ déjà venu, lui mourit pour établir la paix. Surtout à la croix, les moutes et Golgotha, les d'accord et crucifié, les d'accord et maltraité, c'est pour être capable de détruire Amertim Sayo, c'est pour être capable de détruire Yen qui n'a qu'un nous, c'est pour être capable de détruire toute vieille idée qui n'a qu'un nous.
pour nous être capables de former ensemble un seul corps. Et en soi, Christ relève nous, bon Dieu relève nous pour nous vivre ensemble dans un seul corps. Si nous n'avons pas à nous diviser, c'est que nous ne pouvons pas mener la vie que Christ relève nous pour nous vivre. Voilà pourquoi il est extrêmement important pour nous faire réconciliation horizontale, réconciliation des mondes avec monde, réconciliation des frères avec sœurs, réconciliation qui est capable de poser, moi pas dire bonjour, moi pas dire salutation ensemble avec moi. Il est important pour nous faire réconciliation ça. Toutefois, nous avons une réconciliation l'homme avec l'homme. Et nous avons dit que réconciliation verticale, nous avons dit que réconciliation de l'homme avec Dieu. Réconciliation de l'homme avec Dieu, dans Colossiens chapitre 1er, le verset 19, dans Colossiens chapitre 1er, le verset 19, on va pouvoir être ensemble avec nous. Colossiens 1er, le verset 19 avec 20, vous pouvez vous chercher. Dans Colossiens 1er, le verset 19 à 20,